אבל הם אומרים שיש שם הרבה אנטישמים. איפה הוא שם? אז למה הם לא באים אם יש אנטישמים? אם יש אנטישמים, למה הם לא באים? עד שירגו אותם? מה? אז למה באמת הם לא באים? למה הם לא באים? הם אוהבים כסף, יהודי אוהב כסף. יהודי זה רמאי. יהודי זה רמאי. והוא עושה שם כסף, למה לא לבוא פה ולעבוד? אם הוא יכול לעשות שם כסף בלי לעבוד. למה לא? שם הם לא עובדים? הם לא עובדים. זה שאני אומרת. שם יש להם כסף בלי לעבוד. פה אם יעבדו, יצטרכו לעבוד. איך יש להם כסף בלי לעבוד? אה? איך יש להם כסף בלי לעבוד? איך עשו כסף? ריבית, מלווה בריבית, ובתי מחזר פה, ויין פה, וזה שם. זה הם יודעים, יהודי יודע את הפוילשטיקה האלה. יהודי יודע את הפוילשטיקה האלה. Du spectacle et qui dit non mais c'est juste une provocation, on n'est pas anti-juif, on est anti-sioniste en pensant que c'est pas l'antisémitisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux, c'est très inquiétant. C'est-à-dire cet antisémitisme qui est exprimé par des gens qui ne savent même pas qu'ils sont antisémites, c'est très inquiétant. Là où moi je suis rassurée, c'est quand Manuel Valls, François Hollande, Christine Taubira, les réseaux sociaux, les gens, des philosophes, les gens s'expriment. C'est pas la population. Mais la République, mais c'est pas une élite, c'est pas des philosophes. La République a déjà failli dans l'histoire. Le problème, c'est quand cet homme est condamné à des amendes depuis plus de 10 ans et qu'il ne les paye pas. Le problème, c'est quand on veut interdire ses spectacles, mais qu'on ne peut pas au niveau de la loi, c'est très compliqué. Et le problème, c'est quand on se retrouve à lui faire une publicité monstre aujourd'hui, à en parler, mais que si on n'en parle pas, on le laisse continuer à perpétrer. Et juste encore un autre point, se servir de l'étape Dieudonné-Quenelle pour parler d'encourager l'alia des Juifs de France, c'est un prétexte, à mon avis, pas intelligent. Mais l'alia des Juifs de France, t'as pas entendu le phénomène de Dieudonné pour monter en flèche, hein, parce que c'est... Montant en flèche, on va attendre un an ou deux, on va voir combien de personnes vont rester. Il y a quand même plus de 60% de juifs français qui s'installent en Israël et n'ont pas attendu de donner le point. Toujours en Israël. On utilise les drames européennes pour pousser les juifs. Je voudrais rester avec nous, alors je suis désolé, mais on reprendra le débat dans la seconde partie de l'émission. Merci Emmanuel, et ce sera tout de suite après le journal sur les Fake News.